guys! Je viens juste de me lever. Mais là, c'est une superbe journée d'été. Je pense que vous comprenez pas. Il va faire super beau aujourd'hui. Il va faire quand même chaud. Ça va être super le fun. Puis en plus, ça va être une journée vraiment relativement comme relax. Parce que je travaille juste de 5h à 9h. Fait que dans le fond, je vais pouvoir me préparer, profiter de la journée. Je vais aller me faire bronzer chez ma meilleure amie Mélissa, chez sa mère tantôt. Fait que je vais vous apporter avec moi. Fait que là, je vois qu'il y a un petit peu de nuage, mais c'est censé se disperser. Fait que on va voir. Mais là, en tout cas, je vais me faire déjeuner. Je vais me faire des toasts au Philadelphia parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé ça. Puis là, j'ai remarqué que dans mon frigidaire, il y avait du Philadelphia. Fait que je vais en profiter. Oh, oh. Vous pouvez sûrement remarquer, dans le fond, mon corps est un petit peu plus bronzé que ma face, parce que ma face, je ne fais jamais du self-tan dans ma face. Et oui, je me suis mis l'auto-bronzant. Je voulais vous montrer la routine, mais là, je l'ai fait hier, full top. Fait que si jamais vous voulez voir la routine, écrivez-moi-le dans les commentaires ou quoi que ce soit. Si vous voulez là, que je vous montre quel produit j'utilise, puis comment je l'utilise, puis quoi que ce soit. Mais sinon, ouais, fait que là j'ai la face pas mal plus pâle, là, fait que tu sais, critiquez pas ou pensez pas que je suis malade, là, j'en mets pas dans ma face, fait que c'est normal. Mais quand je me prépare, comme vous allez voir tantôt, je vais tout égaliser ça, puis ça paraîtra. Oh, mais... pas tant aussi en fait. Je voulais vous dire aussi, oui, ok, en ce moment c'est bizarre. Ma main elle est vraiment bizarre dans la couleur. J'ai pas encore pris ma douche tout le monde. Fait. Quand on prend une douche après, ça va mis de l'autobronzant, c'est toujours plus beau que avant de prendre sa douche. C'est tout spoté. Mais vous allez voir, le résultat final est magnifique. Croyez-moi. It's time for the shower! Oh ben, je pense que je me suis fait avoir. Il fait pas bien ben beau. Ok, salut tout le monde. Fait que là, en fait, je viens juste de finir de me préparer la face. Puis là, j'ai essayé mon Mac Full Coverage dans le NW30. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment? C'est que l'application se met avec un pinceau si vous voulez un full coverage. Mais après ça, je repasse tout le temps avec une petite éponge mouillée juste pour que ça se blende mieux. Je peux vous dire qu'on peut définitivement dire que j'ai du fond de teint, comme ça se voit. C'est sûr, ça se voit, là, je veux dire. Pour des vidéos, des choses comme ça, ça doit être le meilleur fond de teint au monde, là. Mais je peux vous dire qu'on voit que j'ai du fond de teint quand on me regarde en vrai. Par contre, la texture est vraiment bien. C'est sûr, j'ai beaucoup seté avec la poudre, mais quelqu'un qui aime quand même Tiffany un tout petit peu douille, c'est, honnêtement, c'est parfait. Je trouve que ça fait plus naturel qu'avec une petite brillance. Mais en même temps, j'ai la peau grasse, que je voulais pas me laisser trop de brillance. Là. Puis là, dans le fond, on va voir au cours de la journée si il est vraiment waterproof, puis s'il est très prolonged wear, s'il est vraiment long wearing. Voyons, j'ai dans même la misère, mais. Voir s'il est vraiment long wearing, comme il dit, c'est censé être un 12 heures. Fait que c'est un petit peu moins que le prolonged wear, mais on va voir. Et puis, je vous donne mes reviews. Un petit peu plus tard dans la journée, fait que là, je vais aller faire mes cheveux. Puis on se revoit après ma mise en pli. Ok, guys, je suis all done. Mes cheveux sont faits. Mes lèvres, j'ai mis quelque chose de bien. J'ai mis quelque chose de bien, bien, bien sur mes lèvres. Puis là, faudrait que je m'habille. Mais là, il fait pas beau. J'ai envie de me pendre. Cette année, c'est à chaque fois que je peux avoir une journée à moi. Il fait jamais beau. Genre. On dirait que le Dieu est contre moi. Je sais que je suis gay, là. Il a peut-être raison. Mais, c'est quand même pas une raison pour me donner toujours de la mauvaise température comme ça. Non? Il était censé faire beau. La météo, j'ai regardé, puis il était censé faire beau. Il était censé faire beau. Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, non. Okay. Je suis la crise, là. Je vais finir de m'habiller, puis je vais aller mourir en paix. Maudit.
Oui, donc je me demandais quel outfit j'allais mettre aujourd'hui puisque finalement il fait pas si beau que ça. Donc là, l'outfit que vous pouvez voir, c'est un tricot de chez Zara avec un short court beige de chez H&M que j'adore beaucoup. Et puis le prochain outfit ici que vous pouvez voir, c'est un petit jersey à pois de H&M, des shorts de H&M aussi blanches courtes que j'ai depuis 2 ans mais que j'adore, c'est mes shorts préférés, et une petite ceinture brune foncée que j'aime beaucoup en fait, ouais. Ben, comme vous pouvez remarquer, finalement j'ai opté pour l'option la plus confortable. Puis inquiétez-vous pas, là, ce chandail-là, là, c'est... je sais pas si vous pouvez voir. Il est transparent, là, c'est comme... il s'est tout ouvert, c'est comme un tricot, mais vraiment, là, espacé, là, je veux dire, on voit... Je sais pas si vous voyez ma peau à travers, là. Mais... finalement, c'est plutôt une summer day. Finalement, c'est comme plus trop une summer day, hein, parce qu'il fait pas... faut pas tant beau que ça, fait que... Je pense que je vais faire comme si quasiment c'était l'hiver, puis je vais mettre un coton été avec ça, hein? Ben oui. Puis crever du chaud, hein? Non, mais. Tu sais, il y a du soleil, un petit peu. Il y a de la lumière, mais il n'y a pas de ciel. Le ciel est gris, gris, gris. Là, ça a peut-être l'air bleu là, sur la caméra, là, mais ça, c'est gris, là, ce n'est pas bleu. Fait que. Je pense que mon tanning d'aujourd'hui, il se fera pas vraiment, parce que. Je pense qu'en fait, il ne fera pas de l'été, mais quoi que c'est pas encore l'été, hein. Fait qu'il faut pas capoter, là, c'est vrai, c'est pas encore l'été. Fait qu'on n'arrête pas de se dire que l'été, c'est de la crotte en ce moment, il fait pas beau. Mais en même temps, c'est pas l'été encore, il reste encore quelques jours avant que l'été commence. Fait qu'il faudrait pas commencer trop rapidement à dire des saletés sur l'été 2015. Ah, coucou! Oh! Coucou! Bon, fait que ben là, je vais aller attendre paisiblement Mélissa, là. Ben... elle finit dans 1 heure. Fait que je pense que je vais aller faire un petit peu le montage. Puis on se revoit tout à l'heure avec Mélissa. Parce qu'on, en fait, on sait juste pas qu'est-ce qu'on va faire là, finalement. Là. J'imagine qu'on va aller chez sa mère, mais on va parler là, ou je sais pas. En tout cas, on va voir. Fait que à tantôt! Bon, fait que Mélissa est arrivée chez elle du travail. Fait que là, je vais aller chercher des affaires au Tim Hortons pour elle et sa mère. Puis après ça, on s'en va chez sa maman. C'était mon école primaire, parce que j'étais bien sûr au primaire. Ouais, ça a été une super belle école, j'ai bien compté ma vie. Ouais, là, je trouve ça vraiment drôle parce que dans le fond, il y a comme un... Ce qui est fucké là, à dire, là, c'est qu'il y a une tôle qui frotte en dessous de mon char. Fait que toutes les fois que je pogne des bosses, ben, et la tôle, elle pogne comme dans la bosse, ça fait un gros bruit. Puis là, tout le monde se retourne, tout le monde se comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la tôle en dessous de mon char qui vient de pogner le bord! I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready, cause I've had enough. I see it all, I see it now. I got the eye of the tiger, the fighter, dancing through the fire. Cause I am a champion, and you're gonna hear me. Là, on s'apprête à boire un petit café froid, un petit cappuccino glacé. Ah, my girl! Wouh! Ouais, ben, parce que je fais mes vlogs. Tu savais que je faisais des vidéos YouTube? Avant, ben, j'ai recommencé. Fait que j'ai recommencé mes vlogs. Brushing off the dust, you hear my voice, you hear that sound. Like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got out. See it now. I got the eye of the tiger.
vraiment chaud pour vrai. Puis là, je viens de partir de chez Mel parce que je travaille à 5 heures. Puis il faut que j'aille manger avant de partir travailler. Il faut que j'imprime des papiers aussi pour mes impôts. Fait que je vais aller bouffer. Puis par la suite, je vais travailler. Puis on se revoit à 9 heures lorsque je termine. Ok, fait que là, dans le fond, je voulais vous donner un petit peu de review par rapport au fond de teint. Je trouve vraiment qu'il tient bien quand même. J'étais un petit peu oily, pour vrai, j'étais un peu gras, là. J'ai un peu la face grasse. Coco check. Mais j'ai essayé de tester en essayant de voir si ça transférait sur un papier blanc, puis ça transfère pas, même si je la fasse un peu plus graisseuse. Fait que vraiment, quand même, ça m'étonne à date. Je vais pas toucher quand même jusqu'à ce que j'ai fini ma journée d'école, pour vous voyez vraiment une vraie first impression, de ma journée complète, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, je vais me faire manger, je vais travailler, puis je vais revenir après ça avec un petit peu plus de détails sur le fond de teint. Salut, guys. Fait que là, dans le fond, ben, je viens de venir du travail. Puis, je vais rien faire dans ma soirée, vraiment. Là, dans le fond, je vais éditer un peu mon vidéo, puis après ça, je vais me coucher. Parce que demain, je travaille à 8 heures. Mais c'est juste pour vous donner des petits reviews sur le fond de teint. Honnêtement, je suis vraiment surpris. Les côtés sont vraiment restés noirs. Fait qu'ils ont vraiment là de... Il est très 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 résistant. Il est juste sur le nez. Là, je dirais vraiment que... Genre, mon nez est devenu beaucoup plus greasy là, que... Pas que la normale là. Avec tous les fonds de teint, ça fait ça là. Mais vraiment, je suis vraiment surpris que c'est vraiment un bon fond de teint là. La seule place ici, vous voyez, j'ai la luisance parce que c'est juste le question de prolong wear. J'ai pas de fond de teint là. J'en mets juste sur les côtés, tu sais, pour pas trop en mettre en dessous des yeux. Mais vraiment, je suis vraiment surpris, c'est vraiment un beau fond de teint, le Mac Full Coverage. Pour vrai, c'est à essayer pour les gens qui aiment le full glam, full coverage, là. C'est vraiment nice, puis pour aller clubber, puis tout, là, le soir, super. Fait que, ben, j'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui, et on se revoit demain comme à chaque jour. Bye!